j'espère que vous allez bien. Bon, on est avec Alix. Si vous avez vu les vidéos de la Murcielago, tant mieux parce que c'était une vidéo de ouf. Et là, eh ben, on ramène la voiture à son propriétaire, c'est ça? Exactement. Qui a une collection de voitures. Exactement. Alors il m'a dit de commencer à filmer parce que j'étais pas prêt. À ce point-là? Ouais. Ok, à ce point-là. On arrive dans 5 secondes. D'accord, bah, ce qui est cool, c'est que vous voyez, vous allez voir ma réaction directe hein, parce qu'on est en train de descendre. 4, 3, 2, 1, 0. C'est tous les tâches? Ouais. Tu te fous de ma gueule, tous les tâches? Oh non! 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 Arrête! Non, il a pas cette bagnole quand même. Alix, c'est la première fois que j'en vois une. Non, les gars, vous êtes pas prêts. Non! Vous êtes pas prêts. Ah putain, vous êtes pas prêts, les gars. Non, mais Alix. Attends, attends, parce que là j'étais en train de l'aider à manœuvrer la bagnole là. Sauf que je me remets gentiment de mes émotions là. Putain, la voiture, les gars, regardez, regardez. Vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts? Attention! Huracan performant! Non, je rigole! Ça m'en fout de ça, lors de Dieu. Ici c'est la Twingo, lors de. Ah non, non. Par contre là. Oh là là. Tous les. Non, mais attends, vraiment, tous les tâches, il y a lui là? Ok. Bon, la moitié des voitures sont bâchées, mais je parie qu'on peut les débâcher. Voilà. Vous savez quoi? Je vais débâcher quelques voitures pour le plaisir. Alors là, je vais essayer de deviner ce qui est là-dessous. Bon, bah, vous voyez une vidéo avec cette voiture. Je pense que c'est une Ferrari. Je pense que c'est une FF ou une GTC4. Oh putain. Ah non, une Maserati. Oh là là. C'est une italienne. Donc là, on doit reprendre cette voiture. Oh là là. L'un des plus beaux sons au monde. Mais d'ailleurs, en parlant de plus beaux sons au monde, ce que j'ai vu. Non, mais non. Tu sais que je rêvais d'en voir une. Et d'ailleurs, je t'en avais parlé en plus. Je sais. Wow, elle est. En plus, elle est blanche. Elle est incroyable. Pourquoi il n'y en a pas beaucoup en noir? C'est vrai qu'ils sont souvent blanches. Bon, si vous n'avez toujours pas deviné. Ah les gars! Une LFA. Une putain de Lexus LFA. Oh ouais. Oh. Ah, ça fait quelque chose d'avoir une en vrai. Vraiment. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, SL65. Black Series. Oh là là. Oh là 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 là, mais c'est quoi cette collection? Oh. Alors c'est pas la première fois que j'en vois une. Par contre, je sais que quand je suis avec Alix, il se peut qu'on aille dedans, tu vois. Ah bon, voilà, SV, je parie. ...280 SL. Oh! What? Mais attends, mais c'est quoi ça? Mais la version LMS, c'est ça? M'arrête. Mais c'est la première fois que j'en vois une dans ma vie. Attends, mais je comprends pas, cette voiture elle est pas censée ne pas aller sur la route, non? Kit carrosserie LMS. Ah, c'est juste le kit carrosserie, ok. Putain la vache, les mecs, une R8 kit LMS quoi. Ah oh, ouais. Oh là 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 là. Oh la Rolls, putain elle est belle. Non, mais non. C'est alors, c'est une 280 SEC. T'as raison, mais c'est quoi le moteur? Déjà, je suis chaud. Mais ça, c'est parce que j'ai visité le musée de l'OEAC. Non. Ah non. Oh putain, ça doit valoir une tonne et demie. Une tonne et demie. Oh là 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 là. Waouh, l'intérieur. Ah oh, ouais. Putain, on dirait un yacht, quoi. Ah, mais la conduire, c'est... Je m'éclate à chaque fois. Ah ouais? C'est la meilleure. Là, c'est... Ah ouais? Oh, j'adore, mais c'est génial. En fait, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de voitures classiques qui circulent à Dubaï. C'est la dernière que j'ai appris. Et donc, c'est pour ça que les gens sont assez impressionnés quand ils voient des voitures classiques. Et là, c'est une corniche hein, du coup. La dernière corniche, il faut savoir que ça, c'est vraiment la dernière Rolls sous l'appellation corniche qui a été faite. Alors, je suis pas extrêmement fan de cette phase de Rolls, mais j'avoue que. Pour en voir une devant, quand même, c'est assez, assez impressionnant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'autre côté. C'est une F430. F430. Ah, celle-là, elle est intéressante. CLK 55 AMG. Non. Non, ah, CLK 63. Ah, d'accord. Cab. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai que je suis con. Pourquoi j'ai dit 55 alors que 63 existe et puis qu'on est à Dubaï? Bah oui, c'est logique. GT3 RS. Phase 1. Très belle. C'est juste une GT3. Ah, c'est juste une GT3? Ouais, GT3, voilà. 5,99. Et une SLR. Mais en fait, c'est fou, mais des SLR, j'ai. Bah, attends, mais il y en a une pété de monde qui a des SLR en fait.
En fait, tous tes potes qu'on a filmés, ouais, ils ont tous des SLR. Ils ont des SLR noirs, mais le problème, c'est qu'ils ne conduisent jamais parce que ça coûte beaucoup trop cher en cas de pépin. Ah ouais? Un pare-choc, c'est 200 000 dirhams. Et à what? Ah oui, d'accord. Et à conduire, c'est comment du coup? Moi, je suis pas trop fan parce que j'ai l'impression, en fait, quand je conduis une SLR, bon, c'est très très puissant. Hein, oui, ah bah ça, ouais. En fait, t'as l'impression d'avoir un Boeing derrière toi. Parce que le bruit, hein, t'as les échappements qui sont juste devant toi. Ah oui, sous toi, ouais, c'est vrai. En fait, ça donne un son dans la bouteille qui est hyper sourd. Ouais. Quand tu es sur l'autoroute, t'es là, tu étais une heure d'autoroute, tu ralentis, t'as l'impression que t'es en train d'atterrir. Mais le truc, c'est qu'en fait, la bouteille est plus jolie à regarder de l'extérieur que de l'intérieur. Ok. Alors, à l'intérieur, t'as l'impression d'être dans une secure, en fait. Ah! Sauf que un peu plus restreint, oui, quoi, oui, parce que oui. C'est très, t'es quand même une sédateur. C'est vrai qu'il y a une pièce très rare aussi là, celle-ci. Ça c'est des turbos. Hein. 458 spécial aussi. Oh, c'est pas mal. Mais bon, non, ça, LFA. Ouais, non, la LFA. En fait, donc là les amis, la LFA. Et déjà, elle est dans un état clinique. Même les pneus, ils sont neufs quasiment. Une LFA. Bah, je vous promets que pour la prochaine fois, je vais tout faire pour qu'on la filme en essai. Parce que je rêve d'essayer ça. Et là, franchement, on aura accompli l'un de mes premiers rêves. Voilà, déjà, LFA, JT90. Je pense que déjà ça c'est deux gros objectifs de la chaîne chez moi. C'est de filmer ces deux voitures. Là, on a à moitié rempli un des succès, si tu veux. Les gars, ça c'est fait. D'en voir une déjà. Faire un tour dedans, c'est une autre chose. J'espère en tout cas sincèrement que ce petit tour vous aura fait plaisir. Je vous filme encore quelques voitures quand même parce que, par exemple, le kit LMS sur la R8, ça c'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais vu. Voilà, à part en photo évidemment. Donc voilà à quoi ça ressemble dans la réalité. La grille avant, elle est super énervée. Mais attends, mais ça c'est... Tu penses que c'est homologué en France? Non, tu peux pas, hein. Ouais, on est d'accord. Parce que de toute façon, sinon j'aurais des connaissances qu'il aurait déjà fait, c'est sûr. Franchement, c'est vraiment, vraiment fou le kit, les amis. Hein. Oh là là! Donc, vous avez des ailettes ici. Il a d'ailleurs passé les logos en noir. Coque en carbone. Vous avez l'entrée d'air qui se situe sur les côtés, qui est donc en carbone avec le logo R8 LMS. Et l'arrière, j'ai plus de batterie dans ma lampe, ça c'est génial. Et alors, le Graal du kit. Bah attends, mais c'est un échappement au milieu? Non, en principe ça devrait être, mais tu peux pas l'homologuer avec l'échappement au milieu. Ah d'accord, donc là c'est juste une déco quoi. Ouais, du coup il a mis les échappements en bas, mais là il a mis une déco. D'accord, ok. Parce qu'en fait ils sont trop hauts les échappements. Ça pourrait brûler les autres voitures avec la chaîne. Ah d'accord. Le feu rouge, le trafic. Ah oui, le becquet qui est lui aussi assez spécifique. Hein. Donc inversé. Et vraiment très très beau en carbone, pareil. Donc voilà les amis, attendez, je vais vous filmer le cold start de la Maserati. Ça c'est beau quand même. Du coup les amis, on a fait un petit tour de la collection de ce monsieur, que je remercie d'ailleurs au passage de nous avoir permis de voir tout ça. Là du coup, comme vous pouvez voir un peu encore une fois toutes les voitures, ne vous inquiétez pas, je vais revenir et on va essayer de toutes les filmer. Pareil les amis. Alix, oui. Un grand merci à toi, vraiment sincèrement. Enchanté. Voilà. Tu travailles merci pour à toute la communauté. Mais je travaille pour Simon Motorsport, donc à Dubaï. Ouais. Si jamais quelqu'un a besoin de faire quoi que ce soit, de la reprogue, des échappements, de l'entretien, tout, tu fais tout. Voilà. Je fais tout. Exactement, donc Simon en général, quand ils ont des problèmes, ils viennent me voir après. Ça, ça fait le problème. Voilà, donc un grand merci à toi encore une fois, vraiment. De rien. Et puis on se dit à la prochaine. Bah ouais, magnifique. Les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. N'hésitez pas aussi à suivre ma page Instagram AlphaDelta06. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!